grand. Là. Ah oui, c'est bien comme un petit bonus. C'est vers la 7e. Oui, oui, là, c'est ça. Ça, c'est bien mauvais. Ah non, ils sont. Alors, mais là, le livre regroupe, je crois, 80 champions. Donc, oui. Je trouve cette photo magnifique quand même. Quand on pense que les coureurs du Tour de France, on aura évité de monter l'Isran et Galibier parce qu'il y avait de la neige. Ben, il n'y a pas si longtemps encore, il y a Jacques roulé dans un contre-la-montre sur la neige. Et à l'époque, ils avaient en manche courte, hein, alors qu'aujourd'hui, ils auraient des genouillères. Et alors, ils recherchaient l'aérodynamisme, et puis maintenant, ils ont les cheveux longs. Alors, ils prennent des trucs terribles pour qu'il y ait moins de vent. Et puis, comme Fignon, il avait sa queue de cheval. Sa queue de cheval lui aurait fait perdre le Tour de France. Les secondes qui lui manquent seraient, d'après un spécialiste qui a fait des études aux États-Unis, les 8 secondes qui lui manquent en 89, c'est la queue de cheval. Mais c'est vrai, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Non, c'est un beau livre, ça n'avait pas vu. Alors aussi, il y a tout un chapitre sur Geminiani, sur Stanisky, sur Berriad, enfin. Et puis aussi d'autres champions d'autres époques. Oui, bien sûr. Il devient imbattable. Il se permet parfois de faire quelques entorses à sa vie d'athlète, ce qui irrite son maître Francis Pélissier, qui le punit comme le dernier des potages, en décidant au Grand Prix des Nations 54 de suivre Hugo Koblet, et non pas lui, Jacques Anquetil. Le Belge brancard joue la vedette. Le petit Normand de 20 ans irrité bouscule tout le monde. Magnifique élan, Jacques Anquetil avale d'entrée le plateau de but. La vallée de Chevreuse et Boulogne-Billancourt. Le Parc des Princes l'avale à son tour. Et Jacques Anquetil, grand vainqueur, bat le record de l'épreuve à 39 km 898 de moyenne. Dans les champions, Louison Bobet vous agaçait un petit peu. Vous n'aviez pas les mêmes méthodes tous les deux. Louison Bobet, quand je suis arrivé, était champion du monde en 1954. J'étais même là au championnat du monde de Louison Bobet à Solingen, où je fais quatrième de ces championnats du monde. Et puis tout nous opposait avec Louison Bobet. Louison Bobet, c'était un ascète, il faisait attention à son régime. Moi, je le faisais un petit peu moins. L'entraînement, je le faisais moins sérieusement que Louison Bobet. Enfin, tout nous opposait un peu. Cela dit, c'était un grand champion. Et puisqu'il a gagné 3 Tours de France, il était champion du monde, et puis n'oublions pas que c'était un adversaire. Bobet était en place, il avait une trentaine d'années après toutes ses victoires dans le Tour de France, champion du monde. Il n'avait pas de cadeau à faire à des jeunes, alors évidemment, tout nous opposait un petit peu avec Louison Bobet. Donc, je voulais savoir à quelle occasion vous avez rencontré Jacques pour la première fois. Ben, vous savez, Jacques était. Moi, je l'ai connu, j'étais mariée au docteur Bruyla. Et Jacques venait chez mon mari pour se faire soigner avec ses amis de Paris-Normandie. Et j'ai connu Jacques depuis 1954, je l'avais connu comme client, quoi, si vous voulez, mais médical. Et bon, il a sympathisé avec mon mari, il est devenu plus intime. Moi, je ne l'aimais pas beaucoup parce qu'il me compliquait un peu la vie, parce qu'il arrivait à des heures impossibles pour se faire soigner. Moi, quand il y avait des gosses avec 42 fièvres, je prenais le rendez-vous et je me faisais disputer par André. Et lui, il fallait qu'on soit au garde-à-vous pour M. Anquetil. Alors, je l'avais un peu en grippe, mais je crois que c'est toujours comme ça que ça commence. Alors après, je l'ai rencontré à l'arrivée de Gennes-Nice. J'étais en vacances avec mes enfants sur la côte. Et mon mari dit à Jacques de passer nous dire bonjour avec Darigade. Donc il passe nous voir à Villefranche. Et puis voilà, les enfants étaient très, très, très attachés à Jacques parce qu'il faisait des cadeaux gigantesques aux deux enfants. Et ils étaient très, très attachés à Jacques. Mon mari n'était pas très, très paternel. Donc Jacques les a pris en. Et j'ai trouvé un lien familial qui était formidable avec Jacques.
Alors ça, ça s'est passé à l'époque... En 1957, à Genlis, en avril 1957. Et donc, c'est quand même l'année où il gagne son premier Tour voilà. de France. Alors, j'ai connu avant. Alors, vous êtes pour quelque chose, alors? Non, peut-être pas, mais je veux dire que je n'ai pas brisé cette année-là. Parce que là, par exemple, en 1957, donc, vous le connaissez depuis peu de temps, et est-ce que vous êtes allé sur ce Tour de France oui, qui était son premier Tour de France? Oui, je comprends, j'y étais, oui. La preuve, j'étais à Rouen quand il a gagné sa première étape avec, à Rouen, du reste, où on fera l'année prochaine le départ du Tour. Et je suis allée aussi à l'étape de repos dans les Alpes, je crois. Où... Mais ça, c'était mal vu à l'époque. Ah, c'était mal vu, c'était mal vu. C'est pour ça, on disait toujours qu'il allait briser sa carrière, qu'il n'allait pas gagner. Voilà. Et voyez-vous, c'est le contraire. Alors, comment vous ressentiez ça? Parce qu'une femme, là, dans le... C'est-à-dire que j'étais dans une situation pas tout à fait irrégulière à cette époque. Alors donc, je ressentais ça comme... pas aussi important qu'après quoi. Quand en 58 il a eu sa congestion pulmonaire, je me suis mis un petit peu en disant mais il fallait peut-être qu'un coureur cycliste ne doit pas être marié ou doit pas... Là ça m'a un petit peu plus fait quelque chose qu'en 57, que j'étais dans un peu dans l'euphorie et je pensais absolument pas gêner Jacques, ça m'a rien fait. Naturellement, c'était lui qui vous demandait de venir. Tout à fait. Et si je n'étais pas là, il prenait des fois pour le départ d'une course. Ah bon, c'est déjà arrivé. Ah oui, c'est déjà arrivé qu'il a dit non, si, bon, bah, je partirai pas, puis c'est tout. Il l'a fait. Non, il l'a pas fait parce qu'il est parti quand même, parce que les gens lui ont dit, bah, Jeannine peut venir, mais enfin, qu'elle vienne. C'est pour ça que j'ai eu quand même beaucoup de chance, parce que j'ai suivi toujours Jacques. Parce que comme il m'imposait partout, donc les organisateurs, bah, ils disaient rien, et j'allais là-bas. Alors, bon, est-ce que là, vous étiez. Donc, c'était une présence. Mais qu'est-ce qu'il vous demandait? C'est-à-dire que c'était une présence, mais une présence où je lui apportais quand même pas mal de choses. Parce que d'abord, je conduisais, enfin je ne parle pas du Tour, parce que le Tour, ils étaient pris en charge. Donc j'allais quelques étapes quand il ne pouvait plus fermer sa valise. Parce que quand il pouvait d'arriver à m'appeler en me disant viens pour changer le linge parce qu'il ne peut plus fermer sa valise. Donc je venais dans le Tour, mais comme ça. Mais après, il y avait les critériums, on courait tous les jours. Donc je conduisais, je bondissais pendant qu'il dormait, je tenais, enfin je réservais les restaurants, je m'occupais du courrier, je faisais tout, sauf le massage, parce qu'il avait commencé à me dire que je pouvais très bien masser, mais je me suis dit non, si je fais le massage, alors c'est plus la peine. Là, c'est quasiment un rôle de manager ou de directeur oui, sportif. Oui, voilà, c'était comme ça, oui, c'était comme ça. Mais vous savez, une femme, si elle veut suivre, si c'est pour venir dans la voiture et de poser un poids à un coureur, c'est pas la peine. Donc moi, je venais parce que, justement, j'aidais beaucoup. Je retenais les places pour tout le monde, j'aimerais les restaurants, je lavais des fois les chaussettes à Darrigade, à Anglade. Enfin, ils m'amenaient, comme j'étais la seule femme présente tous les jours, j'aidais aussi beaucoup les gens. C'est pour ça que les coureurs, les amis, sont très gentils avec moi et qu'ils ne m'ont pas abandonné. Alors, comment c'était reçu à l'époque par les directeurs sportifs officiels de Jacques? Ils l'acceptaient facilement? C'était à cette époque, c'était Mickey Viégan, je crois. Il n'avait pas grand-chose à dire, hein, et Jacques disait c'est ça et ça. Hein. Oui, c'était quand même un directeur sportif assez effacé, oui, c'était pas Géminiani. Et puis Géminiani, c'est pareil, il a tout de suite compris que j'étais plutôt bien, il fallait mieux que je sois présente. La preuve, c'est qu'il m'a appelé au moment de l'Envalira en me disant de venir vite parce qu'il y avait cette étape, ce fameux mage, voilà. Et alors, moi, je voudrais en savoir plus sur cette histoire-là, parce qu'il y a toutes sortes de vérité fausse ou vraie. Ah non, c'est la vérité, je l'ai vécue, j'aime aussi, je l'ai vécue. Il est parti dans le Tour, et alors en plus, mon mari était un homme superstitieux. Donc il partait dans le Tour, il fallait qu'il aille voir son magnétiseur, qu'il aille chez le coiffeur, et qu'il s'entraîne derrière Monsieur Boucher, voilà. Et c'était le kiné aussi. Donc s'il n'avait pas ces quatre choses-là avant le départ d'une course importante comme les Nations, comme le Tour de France ou comme Paris-Nice, il partait en mauvaise condition. Et là, il partait en mauvaise condition parce qu'il avait réuni tout ça et il avait ce fameux match qu'il avait lu dans un journal, qui est à la 14e étape, il aurait un accident et il tomberait une chute mortelle une chute mortelle. Il avait parlé d'une chute mortelle. Alors, tous les jours, cette année-là, Daniel Doucet nous avait trouvé les femmes des coureurs, madame Altig,
Effrart, je sais plus, et puis Madame Stablinski, on faisait une tournée pour une publicitaire dans les villes non desservies par le Tour. C'est-à-dire que toutes les villes qui étaient restées sur le, qui passent, où le Tour passait pas, il y avait fait une petite tournée publicitaire de femmes de champions. Alors donc j'étais là-bas et je faisais cette tournée et tous les soirs, évidemment au téléphone, je n'ai plus que pour un jour, encore un jour de moins, encore un jour de moins. Et à Raphaël, à la fin, il m'a dit, écoute, à Toulouse, il me dit, tu quittes Toulouse, tu viens à l'Envalira, parce que moi je peux plus le tenir pendant la journée de repos, je ne sais plus quoi lui dire. Alors donc je suis venue à Toulouse et il m'a dit, on ne va pas rester, pas à Toulouse, à Andorre, on ne va pas rester, on va le distraire, on va aller à Michoui. Et on est allé au fameux Michoui. Et là, je ne comprends pas que les journalistes aient pu faire des polémiques sur un Michoui, parce que les coureurs à l'étape de repos, le défaut de Jacques, c'est que l'étape de repos, c'était le repos, et donc il ne roulait pas. Il avait décidé de ne pas rouler. Mais par contre, il ne se goinfrait pas non plus, au point de vue nourriture. Il mangeait, parce que les coureurs, le journée de repos, c'est des crudités, des crudités ou autre chose, des poissons. Lui, Jacques, il aimait, on disait qu'il n'avait jamais fait son régime, mais c'est un coureur qui aimait le poisson, qui aimait les crustacés et qui aimait les viandes rôties, les trucs au feu de bois. Alors, j'aime, il a dit, au lieu de... Il va manger le mouton, et puis on a bu un peu de sangria. C'est pas ça. Et le lendemain, il n'a pas roulé. Évidemment, il n'avait pas roulé de la journée. Et le lendemain matin, Montez et Pouliter ont fait une petite mafia et ils ont roulé tout de suite. Alors Jacques a dit, mais il faut être idiot du reste pour rouler dès le début, alors que l'arrivée à Toulouse, elle est loin. Et là, quand il a commencé les premiers lacets, c'est ce qu'il m'a raconté. Alors il m'a raconté que dans les premiers lacets, la défaillance. Et il m'a dit comment ce cornichon de mage pouvait prévoir que j'allais avoir une défaillance, donc je vais chuter, tout ça. Et alors il est monté dans le brouillard, là on va lire. Et là il m'a dit, tu vois, autant, en montant, je me suis fait, il y avait 3 minutes de retard et tout. Quand je suis arrivé au sommet, j'ai dit, je prends tous les risques, puisqu'il a dit que j'allais me buter, ben je me bute. Et là, il a pris tous les virages, et je le sentais, parce que à l'outpost, j'attendais, et j'avais Lévitan qui disait, oh, un virage, on ne voit rien, Jacques, ah non, il est sorti. Vous parlez que c'est agréable pour les femmes. Et le soir, le soir c'était fini, dégagé, le moral revenu. En plus, le mage avait porté malheur à Polydor, parce qu'après Polydor avait une crevaison, il a perdu 2 minutes 30. Oui. Donc comme quoi, vous voyez, les choses peuvent se retourner. Oui, mais à un certain moment, il me disait que s'il n'était pas revenu Polydor, c'est Bamontès qui gagnait l'étape. Parce qu'il y a un certain moment à la fin, Raymond ne pouvait pas y aller, et c'est Jacques qui est. Puis après, il a crevé. Alors on dit. Voilà cette étape. Alors mais on dit qu'il était prêt à abandonner dans le port de Bavira. Est-ce que c'est vrai? À un moment donné, c'est ce que raconte Rostolan. Mais ça, je ne. Bon, qu'il est prêt à abandonner, je ne sais pas. Vous savez, comme il s'en était sorti après, moi j'ai eu les commentaires avant et j'ai eu les commentaires après. Donc il m'a pas parlé de. Il m'a dit oui qu'il était furieux que le match et qu'il a pris tous les risques pour la descente. Ça c'est sûr. Et comment ça se passait aussi, par exemple, quand il avait besoin de vous, par exemple, s'il courait une épreuve comme le Tour d'Italie ou le Tour d'Espagne, oui. Bon, il partait normalement pour 3 semaines. Vous, peut-être que vous ne suiviez aucune étape au départ. Le Tour de France, j'allais tous les 3 ou 4 étapes après. J'allais la journée de repos. Dans le Tour d'Italie, j'allais souvent. Parce que je faisais le Tour d'Italie avec des amis. Alors on rejoignait les deux ou trois étapes, parce que lui, il pouvait pas rester en Italie sans voir sa femme. Quoi. Il n'avait rien à faire. Ça allait ses amis. Il fallait l'ambiance. Et les Italiens, qu'est-ce qu'ils en pensaient, eux? Les Italiens, ils étaient très, très contents. Quoi. Moi, j'étais souvent avec Madame Gaulle, du reste. Elle venait avec Georgette et on se retrouvait toutes les deux... Comme ça dans les hôtels, ça nous faisait du bien, du reste d'être à deux. Vous savez que quand même, Jacques disait toujours dans les interviews que le coureur qui lui avait fait le plus peur, qui lui avait causé le plus d'ennui, c'était Charlie Gaulle, dans certains Tours d'Italie. C'est sûr. C'est-à-dire qu'il grimpait terrible, Charlie. Parce que Jacques a eu des... C'est quand il était l'adversaire de talent, mais c'était Gaulle aussi. Oui, parce que prendre 10 minutes sur le plat, on peut toujours arriver avec des équipiers à revenir, mais en montagne, quand ils prennent 10 minutes, c'est difficile à même.
Et comment il le ressentait, Jacques, ça? Il avait peur Il avait peur de Charlie sur le plan et sur les adams contre la montre. Il savait très bien qu'il allait faire l'équilibre, mais il me disait, faut pas que je perde trop en montagne. C'est là le souci qu'il avait de Charlie. Parce qu'il dit, s'il arrive à me prendre 15 minutes, sur l'étape contre la montre, je peux pas lui en prendre 15 minutes. Donc, quelque part, Charlie Gaulle... Quelque part, il voulait, c'est pour ça qu'il attaquait souvent dans les étapes plates, pour distancer Charlie Gaulle avant la montagne. Et donc, Charlie Gaulle était était le seul coureur qui a causé ça. Bamontès aussi. Hein. Je crois qu'il avait moins peur de Bamontès. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, mais je pense que c'était les deux grimpeurs qui le... Ben, c'est toujours pareil, Bamontès, si on lui laissait prendre 15 minutes dans un col, c'est vrai qu'il roulait pas trop bien sur le plat, mais enfin quand même... Hein. Sur le plat, il y a toujours des autres adversaires qui roulent et qui ramènent, hein. Tandis qu'en montagne, non. Et quand Jacques a gagné son cinquième Tour de France en 1964, dans des conditions extrêmement difficiles, où jusqu'au dernier jour, on ne savait pas qui allait gagner, il y a eu trois vainqueurs possibles avec Bamontès et Poulidor, sans arrêt, c'était limite, on ne savait jamais qui pouvait gagner. Bon, il en est sorti vainqueur, il a battu, pulvérisé le record avec 5 victoires au Tour de France. Et ce qu'il a dit tout de suite, bon, c'est fini, là, l'année prochaine, je ne fais pas le tour, il faut que je me repose. Non, il n'a pas dit ça, mais enfin, je crois qu'il aurait eu envie d'en gagner un autre tour. Mais le tour, ça a été Lucien qui était devant. Ah ben, en 66. Voilà, oui. Mais je crois qu'il avait. Il prenait le départ du tour de 66 pour le gagner, je pense. Comme il y a eu l'étape piège où Lucien avait pris beaucoup d'avance, ouais. Comme c'était son équipier, puis en plus il n'aurait pas gagné parce qu'il a eu dans Chamonix, après Chamonix, un genre de, je sais pas ce qu'il a eu, le lendemain il était mieux, il a eu un truc de bronchite parce que c'était son point faible, hein. Il a déjà fait une congestion pulmonaire en 58. Et vous, par exemple, quand il a gagné son cinquième tour, est-ce que vous l'avez conseillé en lui disant, bon, ça serait bien de ne pas faire le tour l'année prochaine et puis... Non, alors autant j'étais pour les corvées, si vous voulez, mais il gérait son plan de course et ses affaires de course tout seul. Moi, je n'avais pas influencé en disant, tu fais celle-là, tu fais pas celle-là, tu fais pas les 6 jours. Non, ça il n'était pas question, Même avec les femmes de coureurs, je me suis toujours bien entendu, c'est parce que je lui ai dit, moi... Si votre mari ou n'importe quoi dans une course, il y a un petit problème entre les deux maris, nous, c'est comme ça, hein, nous, on s'en mêle pas. Oui, mais enfin, vous aviez quand même une influence, parce qu'en 1962, donc, c'était un peu le début de la collaboration entre Jacques et son nouveau directeur sportif, Geniani. Donc, je sais qu'il y a eu des problèmes autour d'Espagne, qui a été gagné par Audi Altic, l'équipier de Jacques. Oui. Et puis après, donc, Jacques s'est mis en froid avec Geniani. Un petit peu. Et il a failli ne pas faire le Tour de France, et je sais, moi... que s'il a fait le Tour de France, c'est grâce à vous, parce que avec Geminiani, vous avez tout. Oui, on a toujours sympathisé. On a toujours sympathisé avec Raphaël et on a toujours été complices. Vous avez rattrapé le coup. On a rattrapé le coup. Oui. Parce que autrement, Jacques avait dit, était parti pour pas faire le Tour. Oui. Il était contrarié de ce Tour d'Espagne et bon, en plus, il avait quand il a abandonné le Tour d'Espagne, on avait dit déjà là qu'il avait un cancer. Ça, je savais parce que pas. Oui, on avait dit, on avait vu un docteur. Il a été pendant 3 jours dans le Tour d'Espagne où il avait 42 fièvres quand il arrivait de l'étape et son soigneur lui faisait tomber la fièvre le lendemain à 37,8 ou quelque chose comme ça pour qu'il prenne le départ. Il a résisté 3 jours. 3 jours. Et ça s'est passé un peu bizarrement, c'est que le quatrième jour, enfin il n'en pouvait plus. C'est là où j'ai dit, laisse tomber. Là, j'étais un petit peu laisse tomber et tout ça. Et il disait qu'il ne pouvait pas. Puis il a entendu des équipiers qui faisaient le compte en disant si Altic va gagner, nanana. Alors ça ne lui a pas plu. Il a dit, comme il était vraiment malade. Et il s'est retapé. Le docteur de famille de Rouen m'avait dit attention, il ne faut plus qu'il court. Je ne sais pas ce qu'il a. On ne savait pas ce qu'il avait. Alors le docteur et son magnétiseur, M. Noyès, qu'il en a sorti, alors le docteur, il est parti au Dauphiné, il y a Evrard et Anna Hert, c'était ses équipiers, qui lui disent, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Il dit, écoute, si je ne fais pas le Dauphiné, je ne peux pas faire le tour. Alors il est quand même allé au Dauphiné faire le tour, et puis ça a recollé avec Geminiani, et c'est parti.
Oui. Alors, en 62, donc, il s'est rétabli de façon très rapide, parce qu'entre le Tour d'Espagne, où il était au plus mal, il a pu faire le Tour de France. Il a fait le Dauphiné, où il a terminé dans les 30e, quelque chose comme ça, quoi. Et puis, le Tour de France... France qu'il a terminé de façon royale dans un contre-la-montre à Lyon, qui était avec des où il a gagné avec des écarts incroyables. Enfin, incroyable pas pour lui, mais dans le cadre d'un Tour de France, souvent avec les jours, enfin quand on a 3 semaines de course, c'est pas comme un grand prix des nations. Non. C'est différent. Mais il aimait cette vallée de Chevreuse. Il avait son public. Hein. Ah ben ça, les... Il avait son public, parce qu'on dit, bon, on parlait de évidemment il y avait des poulies de Ris, mais dans la vallée de Chevreuse, il y avait des Antilles. Bah, n'importe comment. C'est incroyable, parce qu'il me disait, j'ai même pas la peine besoin d'être enseigné, je sais au visage, quand je passe, parce qu'il regardait, il était toujours dans une position aérodynamique, et il me disait, je sens les gens, je sais quand je suis en avance et quand je suis en retard. Mais là, il n'était jamais en retard. Non. Il aimait quand même partir le dernier, quand même. il est invaincu dans les nations, et Poulidor, en fait, est arrivé un peu vers la fin... Jacques a gagné la plupart de ses victoires dans les années 50 dans les nations. Après, il a laissé la place aux autres. Et s'il avait couru 3 ou 4 fois de plus, je pense qu'il aurait gagné 3 ou 4 fois de plus. Enfin, il a déjà 9 fois, c'est pas mal. 9 fois en 9 participations. Et en améliorant le record. À chaque fois. Et pour lui, la préparation du Grand Prix des Nations, ça commençait combien de temps à l'avance? Parce qu'il il préparait très sérieusement. On dit qu'il ne faisait pas son métier. Mais vous demanderez à Merckx ce qu'il pense du métier, parce qu'il disait que Jacques faisait son métier. Parce que quand il dit une classique, il s'en fichait. C'était une journée, une course d'un jour, il y avait trop d'aléatoires, et il disait non, il y a trop de chance là-dedans. Il avait perdu un Paris-Roubaix en crevant. Alors il me disait, tu vois, on se prépare, même un championnat du monde, c'est vraiment une course d'un jour, c'est pas mon truc. Donc il préparait les classiques d'une façon tout à fait un petit peu olé olé. Mais quand il préparait une course contre la montre, il faisait son métier, attention. Alors, il s'y prenait à peu près combien de temps à l'avance? Il roulait derrière dernier. Hein, et il roulait, parce que moi, je l'entraînais, parce qu'il roulait toujours derrière ma petite voiture pour l'entraînement, parce qu'il n'aimait pas s'entraîner comme Stablinski, par exemple, qui partait le matin, puis qui rentrait le soir, qui faisait tant d'heures de selle. Lui, non, il faisait 40 de moyenne, et il faisait 120 km, donc ça faisait 3 heures. 40 de moyenne, il ne pouvait les faire que derrière une voiture, enfin derrière avoir un peu d'abri pour les faire très vite. Il s'entraînait très vite, donc il roulait toujours. Mais pour préparer ses nations, par exemple, ça ne suffisait pas. Il faisait du dernier derrière M. Boucher. Et deux fois par semaine, il mettait facilement un mois pour se préparer. Et j'imagine que dans les nations, il y avait une confiance inébranlable. Je pense que quand il partait, il savait qu'il avait gagné. Oui, sauf une année où il n'était pas content après Viegan, qui avait souravé une minute. Il lui avait donné les temps avec une minute de retard. Donc Jacques, il... Mais involontairement ou volontairement, à votre avis? Je pense que c'est volontaire ce qu'il faisait Viegan pour qu'il batte le record d'une façon... Et quand il est arrivé, il a vu qu'il avait battu son record d'une minute. Je m'excuse, mais engueulé Viegan en lui disant « Mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? L'année prochaine pour battre mon record, tu vas pas? Tu peux pas me renseigner moi, je suis à la seconde près. Hein. Je dose mon truc pour savoir que l'année prochaine, je peux battre encore mon record. Et si tu me mets une minute comme ça de plus, où je vais, moi ?» Il était très... Mais là, au niveau du record de l'heure, vous étiez là en 56 et en 67. J'étais pas présente en 56, mais j'avais des renseignements puisque je connaissais Jacques. Et il avait échoué une fois, puis il était resté là-bas parce qu'il était revenu d'Algérie. Ouais, c'était pendant la guerre d'Algérie. Et il était revenu d'Algérie pour battre le record. Là. Et vous étiez par contre en 76 à Milan. Oui, à Milan. Là... Mais ce record, c'est à Besançon qu'il l'a battu. Parce qu'il a fait, un temps, vous demanderez Géminani, je ne me rappelle plus parce que les temps, mais à Besançon, il a fait sur la piste toute plate. Une mauvaise piste, oui. Une mauvaise piste. Il a fait un temps que personne n'égalera, ça, sur la piste. Mais vous y étiez à Milan, si? Oui. Là, j'étais sur la piste en train de lui donner les donc, il y avait Doucet et Géminiani. Oui, et puis il y avait mon beau-frère aussi, il y avait Philippe, son frère. Et puis, et alors on était tous, parce qu'il. Il voulait le renseignement, mais la cloche, tout ça ne lui plaisait pas. Il voulait absolument qu'on... Donc vous étiez au bord de la... L'opposé, moi. Et donc vous avanciez selon les... Comment ça se passait? C'est-à-dire que je lui criais, j'avais un truc, je lui criais, voilà.
Parce que moi, j'entendais où il avait de l'avance, un demi-tour. Quand il arrivait, je lui donnais l'avance qu'il avait sur l'autre, sur le demi-parcours. Et puis, devant la ligne d'arrivée, c'était les autres qui avançaient, je pense, que chez Mignani. Je sais plus, je sais pas. Mais moi, je donnais simplement avec un... T'as une minute d'avance, ou t'as deux minutes, ou trois, je sais pas, je me rappelle plus bien. Et donc, bon, ce record, pour des raisons un peu stupides, n'a pas été homologué. Et comment il a ressenti ça? Très mal. Là, quand même, c'est un exploit. Très mal, parce que c'était pas la loi, c'était pas le truc en Italie. Il y avait pas de, c'était pas le contrôle n'était pas exigé en Italie. Et ils ont pris un toubib de Milan, qui docteur Marina, je me rappellerai toujours, qui était un docteur qui n'a pas été bon. Il pouvait pas. Vous savez, quand on fait une heure de sel, on peut pas uriner tout de suite, hein. Et bon, bah, c'est très bien, il a vraiment pas assisté. Alors, ils se sont engueulés avec Geminiani, ça n'a pas arrangé les choses, je pense. Mais il l'a pris très mal. Hein. Parce que là, très, c'était, très mal. C'était le dernier défi de sa carrière, oui. Et donc le fait que ce soit pas homologué. Enfin, l'essentiel, il l'avait battu. Hein. Absolument. Et... À 11 ans de différence, c'était pas mal quand même. Ah oui, non. C'est ce qu'il disait. Bon, bah, si les gens sont pas contents, ils sont pas homologués, tant pis. Au début, il a été très, très choqué, puis après, il a dit, bon, bah, il est quand même dans le palmarès. Alors, comment se sont passées toutes ces dernières années? Parce que, bon, à partir du moment où il gagne pour la cinquième fois le Tour de France, on dirait que Jacques s'intéresse un peu plus aux classiques. Il gagne Liège-Bastogne-Liège, oui, Gand-Wevelgem, oui. Et puis on le voit souvent placé aussi dans le Tour de Lombardie, dans le Championnat du Monde, il fait deuxième. Donc il s'intéressait un peu plus aux classiques à ce moment-là. Il les préparait mieux Non, pas spécialement. Il avait préparé un championnat du monde, mais c'est le championnat du monde de Saint-Sébastien, parce qu'il s'inquiétait toujours savoir si c'était dur, parce qu'il dit un parcours qui n'est pas dur, ou c'est pas vallonné, vous savez, où il y a des bons, et si c'est tout, si on peut pas se voir, enfin, je sais pas comment il m'expliquait, mais lui, il aimait ses côtes de Normandie, vous savez, où il y a des faux plats, des trucs comme ça. Alors, si c'était dur, alors il téléphonait toujours à Marcel Bidot, qui lui disait à chaque fois, c'est pas dur, c'est dur, c'est dur. Alors, à Saint-Sébastien, c'était soi-disant très dur. Alors, il prépare Saint-Sébastien à fond, puis c'était un parcours très facile, enfin, plus facile qu'il pensait. Et à Nürburgring, il a oublié de lui dire à Marcel Bidot que c'était un parcours dur. Là, il se serait préparé comme pour une course contre la montre. Il a failli gagner. Mais c'est parce qu'il s'est retourné, puis il a vu Raymond dans la roue. Il n'a pas pris le risque. Parce qu'en principe, il avait roulé, il avait fait beaucoup d'efforts et tout sur Motac. Parce que moi, c'était Motac qui devait gagner, il était en super forme ce jour-là. Après. C'est toujours des choses que Jacques m'a répétées ou que j'ai entendues par Jem. Ah, si Jacques et Poulidor s'étaient alliés ce jour-là, c'était un des deux qui gagnait. Bah, tout à fait. Parce que, mais enfin, Motta était fort. Hein. Motta était fort. Fallait aller le chercher. Alors bon, il y avait toujours des... Et Jacques faisait pas mal de boulot. Et c'est ça qu'il a eu peur à la fin. Il a dit, bon, bah, si je fais tout le boulot et puis que je fais deux derrière Poulidor, les journalistes vont me dire que je suis foutu, que c'est fini, c'est ma fin. C'est ça qui a fait du mal aussi dans la relation entre Anquetil et Raymond. Parce que les journalistes acceptaient que Raymond fasse deuxième, troisième, même n'importe qui derrière. Mais Jacques, si jamais il a été battu, c'était la catastrophe. C'est la fin de la carrière. Alors, lui, Jacques, bon, cette rivalité avec Poulidor, elle est venue comme ça presque... subrepticement, parce qu'au début, il a eu une grande rivalité, d'abord avec Bobet et puis Rivière. Oui. Puis après, Poulidor est arrivé comme ça, un peu sur la pointe des pieds, on pourrait dire. Il n'était pas annoncé, c'était pas un grand amateur. Et quand à partir de 62-63, la rivalité a monté, alors comment il a commencé à ressentir ça? Bon, au début, il n'était pas menacé. Jacques, il s'en méfiait pas trop, j'imagine. Ben non, c'est-à-dire que... vous savez, c'est plus agréable quand même d'avoir un rival, hein. Parce que, mais alors ce qu'il y a, c'est que Jacques ne comprenait pas que ce rival-là prenait pas, courait pas en patron, vous comprenez? Et c'est ça qui a énervé Jacques, c'est que Raymond suivait. C'est les équipiers de Jacques et Jacques qui prenaient l'initiative contre un Italien, contre une autre équipe. Et l'équipe de Raymond ne menait pas en champion. Alors il ne comprenait pas, elle ne voulait pas qu'il gagne puisqu'il ne courait pas en champion. Et à partir du moment où Poulidor a, disons,
est pratiquement venu au niveau de Jacques. Là, alors là, ça a atteint entre 64, 66 des sommets au niveau de la rivalité. Là, ça se jouait vraiment à très peu de choses, ça se jouait un peu à l'intelligence de course. Alors là, ça, au niveau, il y avait une pression terrible. Comment il l'a ressenté? Ah ben ça, Jacques, lui disait toujours, t'apportes ton ombre. Ben il lui disait non, c'est pas parce qu'il avait, il avait peur de, d'un autre coureur ou tout ça. Alors, il était sûr de lui dans une étape contre la montre, mais dans une étape en ligne ou un truc comme ça, même au début, Darrigade pourrait vous le dire, il roulait en queue de peloton, s'il avait fait tous les efforts qu'il a fait à l'arrière pour revenir sur les échappées. S'il les avait fait devant, il aurait gagné plus d'une course. Mais c'était son tempérament, ça. Alors bon, bah Raymond, c'est sûr qu'il l'a considéré comme un rival et qu'il faisait très attention. Il était, à chaque fois, il ne fallait pas qu'il parte, attention. Mais alors comment il le ressentait, ça? Parce qu'en plus, la presse faisait monter la pression. Il le ressentait mal parce que le public, enfin, qu'on lui disait qu'il était... On le sifflait d'abord. On l'a sifflé à son tour, son fameux tour qu'il a gagné en 1962. Et où il a appelé son bateau sifflé, du reste, en arrivant. Ah non, c'est formidable. Il a appelé son bateau. On était sur la Saint-Adrien, sur la Seine, et on avait un petit bateau. Alors on a acheté un autre bateau et on l'a appelé sifflé. Il n'aimait pas ça. Du reste, il le dit après, quand il a arrêté de courir et qu'il était directeur sportif de Raymond et même, et que tous les gens lui donnaient beaucoup de sympathie, beaucoup de... Il dit, j'ai retrouvé ce public et ça me fait beaucoup de joie parce qu'il a été vraiment offusqué et malheureux que le public le sifflait. Mais vous savez, c'est ce qu'on dit aussi dans un parc, quand il y a 20 000 personnes, s'il y a 5 000 qui sifflent, on les entend. Oui. Alors peut-être qu'il y en avait 15 000 qui se taisaient. Ah non, mais le problème c'est que c'est la presse qui a tout monté ça. La presse, elle avait besoin, pour vendre du papier, de créer des rivalités. Et puis en plus, la presse, par exemple, il disait que Raymond, c'était le paysan, que quand il gagnait, il achetait une vache. Il a pas un lopin de terre, il a des appartements. Et Jacques, au contraire, c'était lui le fermier, le cutéreux. Et alors, les journalistes ont tout. On lui disait que c'était le dandy et que Raymond était le... Bon, c'était faux. Alors, tout ça, ça le heurtait. Tout ça, ça le heurtait, ça le montait contre Raymond. Mais je dirais que c'était presque une certaine presse, parce que je dirais vraiment les bons, ce qu'on appelle les bons journalistes, oui. Ils savaient faire la part des choses. Comme je parle de Chani, par exemple. Chani, et puis pas seulement. Le Blondin, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait Maurice Vidal, Maurice, tout ça. Oui, il y avait aussi René Dunant, tout ça, le France, Maurice Vidal, il y avait Marchand. Les bons journalistes savaient de quoi ils parlaient, et eux, je me souviens, Chani a expliqué bien cette rivalité, et en général, prenait plus la défense de Jacques. Il expliquait pourquoi Jacques courait de cette manière-là, alors que le public pouvait ne pas comprendre, parce que c'était plus subtil. Il y avait quand même beaucoup de gens qui lisaient l'équipe, donc il y avait quand même beaucoup de gens informés. Mais c'est vrai qu'au niveau du très grand public, il y avait des journalistes, je dirais, d'une presse qui n'était pas sportive, qui voyait un peu la surface des choses et qui avait tendance à pleurer sur le destin de Poulidor battu. Oui. Puis il y avait une chose, c'est que Jacques se plaignait jamais, on n'entendait jamais dire j'ai perdu une course à cause de ci, à cause de ça. Et il n'admettait pas quand on a perdu. Comme un journaliste qui critiquait, c'était une bonne critique, c'était une bonne critique. Ben ça, c'est un grand champion. Merckx a toujours agi de cette façon-là. Même quand il perdait des courses, qu'il était malade, il ne disait pas j'ai perdu parce que j'étais malade. Non, c'est sûr. Alors que Poulidor, il perdait toujours parce qu'il avait crevé, parce que si, parce que ça. Mais il pleurait. On lui amenait des micros. Non, mais c'était sa façon d'être en même temps. C'est sûr. Je ne pense pas que c'était volontaire, mais c'était sa manière d'être. Et il se plaignait toujours. Et donc, on répercutait ça dans les médias. Et on disait, oh, pauvre Poulidor. Donc, j'imagine que Jacques, et des fois, ça devait l'énerver. Ça l'énervait énormément, ça. Et donc, en contre-coup, c'est Raymond Poulidor qui en subissait les conséquences. Parce que dans la course, on lui disait, j'imagine que dans la course, on ne devait pas lui faire cadeau. Parce que la façon dont tout ça a été répercuté dans les médias. Oui.
Mais Jacques avait toujours une équipe assez forte, il avait des bons équipiers. Jacques aimait avoir une bonne équipe. Et pour faire un champion, il faut avoir aussi des bons équipiers. Il ne faut pas hésiter à être généreux avec ses équipiers. Là, vous avez tout dit, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bons équipiers, il faut être généreux avec eux. Ben oui. Parce que Poulidor... Il fallait gagner de l'argent pour que les équipes... On a beau dire, hein, c'est... surtout dans cette époque-là. Hein, cette époque-là, ce n'était pas comme maintenant. Donc il fallait que les équipiers se fassent leur beurre dans le Tour de France pour gagner des étapes et en même temps pour ramener le maillot jaune. Hein. Alors, Poulidor, ce n'est pas qu'il avait des mauvais équipiers. Non, il est très bon, mais... Ils n'étaient pas motivés. Ils n'étaient pas sûrs de leur chef. Ils les voyaient, je sais pas. Tandis que les équipiers de Jacques, ils étaient sûrs de Jacques, sauf au Tour d'Espagne. Là, c'était un peu les débuts d'une équipe qui se constituait. En plus, il était malade. Mais Jacques a toujours su s'entourer de très bons coureurs et notamment de très forts rouleurs. Oui. Comme Altig, oui. Stablinski, Novak, le colosse de la mur. Rosteland, Bouvin dans l'équipe de France, Forestier, c'était un bon. Oui. C'est ce que je pense maintenant quand il y avait un championnat de France, il y avait une quinzaine qui pouvait gagner le championnat de France. Maintenant, quand Raymond courait encore, c'était Raymond qui pouvait être champion de France. Hein. Alors, et comment se sont passées, je dirais, les 3-4 dernières années de compétition, comment il voyait ça, lui? Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu ce fameux Bordeaux-Paris que j'aime a mis sur pied pour que rende sympathique Jacques au point de vue public. Et bon, bah, alors ça n'a pas été facile non plus de lui faire... c'est-à-dire que ça s'est passé que... Il voulait vraiment. J'aime lui fait un défi. Il lui dit mais t'es fou quoi quand même. Terminer Dauphiné puis prendre le départ de Bordeaux-Paris. Enfin il y avait le mystère 20, il y avait tout ça, il y avait tout. Bon, il a mis tout en œuvre. Mais avant il me dit alors qu'est-ce que t'en penses? Ben, je dis écoute, je dis il est pas prêt. Hein. Il me dit bon bah travaille-le un peu au corps. Hein. Alors moi j'ai dû. On parlait et puis je dis bah dis donc il est fou Raphaël. Hein. Je dis tu vas pas te crever quand même en fin de carrière comme ça. Tu vas. Et c'est un truc idiot, ça. Tu vas pas pouvoir gagner les deux, c'est pas possible. Alors elle me dit, comment je pourrais, si je pourrais le faire, enfin, c'est quand même... J'ai téléphoné à HM, je dis, tu peux y aller. Et on dit qu'il a failli abandonner dans la nuit de Paris. Oui, il avait un début d'angine aussi, parce que c'était vraiment quitter le Dauphiné, puis en plus il est tombé sur Raymond qui était en super forme et qui lui a pas fait de cadeau dans l'école. Hein. Puis le but c'était de gagner les deux. Hein. C'est toujours gagner le premier, parce que si vous gagnez pas le premier, c'était pas la peine d'aller faire le second. Alors le souci d'être 8 jours sur le vélo dans les montagnes, la neige et tout, et puis s'envoler pour reprendre le départ à 11h du soir, il m'a téléphoné à 11h du soir, il m'a dit il est fou, je viens de gagner le Dauphiné à l'arraché. Je commence un début d'angine et il me dit Raphaël, tant pis, j'abandonne cette nuit. Alors tu restes à la maison et tu m'attends au coup de téléphone toute la nuit. Enfin. Alors on a attendu tous les flashs, puis ça venait pas. Et puis à la fin, j'ai dit bon, faut que j'aille au Parc des Princes, quoi. Et c'est là qu'on vous voit au Parc des Princes, ouais. avec la Madame femme de François Maé. Et Madame Stablinski aussi. Vous ne la voyez pas sur la photo, oui. Mais elle est aussi là. Parce que François Maé, qui ce jour-là a fait aussi une grande course. Oui, et puis Stablinski, et puis Tommy, c'est Simpson. C'est... Oui. Je pense que si Stablinski n'avait pas été là, ça aurait été c'est-à-dire plus difficile. C'est-à-dire que Raphaël avait demandé à Jean de le faire, le Bordeaux-Paris, parce que justement, avec ce défi, il avait besoin de Jean pour être près de Jacques. Et vous connaissez bien Tom Simpson? Oui, Tommy, ah, oui. 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 Et... Lui, c'est un gentil garçon. Et, il, et avec Jacques, il s'entendait bien. Jacques aimait bien le Tom. Bah lui, c'était un coureur nerveux aussi. Il est allé au bout du rouleau aussi. Bah c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que en 67, là, il était avant l'étape du Mont Ventoux déjà complètement à plat. Quoi. C'est-à-dire que vous savez, c'était le moment où les choses, les médicaments ont changé, qu'on ne pouvait plus prendre des trucs. Parce que moi,
Ils ont supprimé, enfin, il y avait des coureurs prenaient des maxitons, tout comme ça. Moi, je sais bien que mon mari, qui était mon premier mari, qui était docteur, et il a donné un maxiton à sa fille pour passer le bac à 17 ans, hein, 16 ans. Hein. Donc, c'était des médicaments, il ne fallait pas les abuser, c'est sûr, mais c'était. Alors, quand ils ont commencé à prendre des trucs qui endormaient, hein, pour pas que ça se voit, et on endormait le mal, et on allait au bout du rouleau, on se faisait péter le cœur. Et c'est ce que Jacques n'a pas voulu. Il aimait mieux prendre des choses. Sous contrôle médical. Jacques, il avait été courageux parce que pendant l'été 67, il avait fait des déclarations dans France Dimanche. C'est-à-dire que l'article était bien, mais c'était le titre qui n'était pas bien. Oui, je me suis dopé. Parce que quand vous lisiez l'article, c'était très bien ce qu'il disait. Mais oui, je me suis dopé. Et là, ça lui a coûté cher parce qu'il a été suspendu, interdit de championnat du monde. Oui. Et c'est là qu'après, il a tenté le record de l'heure et qu'il a battu. Oui. Oui. Donc, puis il a fait les fins de saison, les courses contre la montre, le Grand Prix des Nations. Oui. Alors quand il faisait, donc il se préparait spécialement pour le Grand Prix des Nations. Après donc ça lui permettait de faire le Grand Prix de Lugano. Ça a été supprimé le Lugano et Genève aussi parce qu'il gagnait trop. Il gagnait tout le temps. Alors un jour on l'a gagné pour, je me rappellerai, on était à Genève et. Le gars vient, l'organisateur, et puis Jacques dit, bon ben ouais, l'année prochaine, je signe mon contrat. Et il dit, non, tu gagnes de trop, non. Alors Jacques lui dit, ben si je fais deux, ah ben si tu fais deux, je signe tout de suite. Et il a signé son contrat pour l'année suivante, en disant, il faut que je sois battu. Et bon, il a dit à Baldini, Ercole, si tu veux gagner, tu peux y aller, hein, parce que... Mais il me dit, j'ai même pas, j'avais plus de morale, j'avais rien à faire. Il a même pas pu faire deuxième, il a fait troisième. C'est le nerveux du champion, quoi, ça. Et il me dit, j'ai même pas pu faire deuxième, j'aurais voulu faire deuxième, parce que c'était j'étais battu par... mais voilà. Et ben après, le Genève a été supprimé. C'est à peu près à quel moment que Jacques a arrêté sa saison? Ben, il a arrêté sa saison parce que, vous savez, après ses tours, ses critériums qui le portaient jusqu'au septembre, il y avait le championnat du monde, après il y avait encore des critériums, et après il s'en allait sur la piste. Alors il faisait des France-Italie, surtout quand il y avait le Veldiv, il y avait les 6 jours de Paris, mais après il y a eu les 6 jours de Gand, d'Anvers, les courses sur piste en Belgique, donc il terminait fin novembre. Fin novembre, c'était là, il a arrêté fin novembre. Et là, en principe, on partait un peu au soleil, et puis on revenait pour la Saint-Gervais, pour les fêtes de Noël avec les enfants à Saint-Gervais, et il recommençait à son entraînement, même à Saint-Gervais, vers le 18 de janvier, il commençait à rouler du côté dans la plaine, là, pour se remettre en jambes, puis après on partait sur la côte, où il faisait tous les Grands Prix de Cannes, Rotterdam, enfin. Donc il s'arrêtait du fin novembre à fin janvier, si vous voulez. Et lui, il ne trouvait pas trop difficile de reprendre après l'arrêt aussi long? 2 mois. Et ce n'était pas trop difficile de reprendre le vélo? C'est-à-dire que, vous savez, bon, il coupait facilement 1 mois, hein, mais entre deux, il roulait quand même un petit peu sur piste quand on allait à la Guadeloupe ou en Martinique ou bien en Nouvelle-Calédonie, il roulait sur piste, donc il ne perdait pas encore. Il s'arrêtait vraiment, c'était au sport d'hiver, pour les fêtes de Noël, que ça a été 1 mois. Et lui, il prenait pas trop de poids pendant l'hiver parce que c'est quand même le problème de beaucoup de coureurs. C'est-à-dire qu'il en a pris, il en avait pris surtout sa première année qu'il a été en Algérie. Quand il est arrivé à Paris-Nice, il avait beaucoup de poids. Mais après, il faisait assez attention. Hein. Puis il perdait facile, Jacques, attention. Mais quand il roulait, il perdait facilement 3-4 kilos. Là, ce que vous dites, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on dit de Jacques, qu'il aimait les meilleurs restaurants, qu'il aimait le bon vin. Il aimait le bon vin, il buvait du vin blanc, il buvait un petit peu de vin blanc, il buvait le champagne, ça c'est sûr. Mais quand il préparait des courses importantes, il faisait comme tout le monde. Hein, bon, il avait un petit peu ce côté taquin, c'est-à-dire que quand, par exemple, moi je fumais dans ce temps-là, et quand les journalistes arrivaient à l'étape de repos, par exemple dans le Tour, ils me piquaient ma cigarette pour fumer devant les journalistes, quoi. Et il fumait pas, il était là, comme ça. Mais c'était pour narguer, il voulait toujours donner une image du mec qui faisait rien, et ça lui a fait peur dans le public, parce qu'on s'imaginait pas qu'il souffrait sur un vélo comme les autres.
Et ça a impressionné ses adversaires. Et ça a impressionné ses adversaires. Oui, alors il s'arrêtait juste un mois, je vous dis, on partait sur la côte, il prenait des petites courses sur la côte. Parce que là, on raconte quand même aussi... Ben, c'est, il aimait, la bonne vie, c'est-à-dire qu'il aimait, il aimait manger, ce qu'il mangeait c'était sain, il aimait pas la mayonnaise, par exemple il mangeait des crustacés, mais des crustacés qu'est-ce que ça fait de mal à personne, les crustacés sans mayonnaise il aimait pas, il mangeait pas, les ragoûts, les trucs comme ça il aimait pas, il aimait les viandes dans sa cheminée, les viandes grillées, il aimait les poissons grillés. Bon, alors c'est presque... Donc c'était un métier. Hein. Il aimait pas trop les légumes. Bon, il aimait pas trop les pâtes. Donc ni le riz parce qu'il en avait trop mangé. En course, il se nourrissait de pain d'épices parce qu'il aimait pas le gâteau de riz comme ça dans les poches. Je vois pas où il faisait pas son métier. Si, il buvait un coup de champagne, surtout quand les journalistes venaient. Alors là, c'était le champagne, c'était rigolo ça. Donc c'était son côté joueur, ça. Son côté joueur. Oui. Parce qu'on raconte toutes sortes d'anecdotes, qu'avant une course, il a fait la fête, il s'est couché très très tard. Ah bah il y a eu une course, il y a eu une course où il a fait très très fort, c'était à Clermont-Ferrand, chez Gemignani. Ah ça, Gemignani en parle dans son livre. C'était terrible ça, c'était les rasoirs Philippe je crois, ça s'appelait les rasoirs Philippe ça. Et bon, il est tombé dans un traquenard avec les toubibs des copains à Gem, plus les rugbymans. Ils ont commencé à faire la java dans le bar de Gem. Ils mangeaient même des verres. Manger du verre, on n'aurait pas le cancer. Ils croquaient les verres avec les rugbymans et tout. Et il avait la course de rasoir Philippe le matin. Et vers 3h du matin, je dis à Jacques, écoute, c'est fini. Moi, je remonte me coucher. On était à l'hôtel au-dessus. C'était l'hôtel à côté du club de Raphaël. Et je dis, monte me coucher, mais demain je m'occupe pas de toi. Hein. Tu te débrouilles, tu t'en vas en vélo, tu t'en vas n'importe où. Moi je ne viendrai, je suis fatigué, que c'est pas raisonnable de faire une java comme ça. Et il est monté plus d'une demi-heure après, vers 4h. Et puis le réveil a sonné à 7h, j'avais un œil ouvert, mais je n'ai pas bougé. Alors il a pris son collant et tout, il est monté dans la Raphaël, évidemment, qui était dans le coup le soir. Il dit, t'en fais pas, je te conduis au départ et tout. Et puis il suivait la voiture du directeur de course, avec Raphaël, avec lui. Et Jacques prend la voiture pour partir. Et puis il y avait peut-être une quinzaine de kilomètres pour aller au départ. Il était mal dans la voiture. Il dit, sors-moi mon vélo. Il a commencé à rouler derrière la voiture pour aller au départ. Et moi, je me suis levé un petit peu plus tard. Et puis, comme j'avais le parcours, je dis, je vais aller au ravitaillement, quoi. Et je rencontre Pierrot Evrard qui n'avait pas fait la course. Là, je dis Pierrot, il me dit, je dis le peloton est passé. Il me dit non, il n'est pas passé. Mais il me dit par contre, ton bonhomme est devant. Je dis quoi? Mais il était dans l'échappée, avec Rostelan. Ben, il me dit, je me sentais mieux au vélo. Plus je roulais vite, plus ça me faisait de l'air, plus c'était mieux. Là, il était dans l'échappée. Et je me rappelle, il y avait une anecdote, parce que dans ce temps-là, les coureurs qui avaient un salaire pour la course, par exemple, lui, il était payé pour faire cette course, le rasoir Philippe. Ils n'avaient pas le droit au prix. C'est-à-dire, s'il y avait 5 000 francs en premier, ou pour 5 000 francs, ce que je dis maintenant parce que je suis déformé un peu, mais 1 000 francs en premier ou un truc comme ça, ils n'avaient pas le droit au prix, Jacques. Et là, c'était un prix très important parce que justement, comme il n'y avait que 2 ou 3 coureurs qui étaient payés pour faire cette course, les autres avaient le droit au prix. Il y avait des petits salaires, donc ils avaient le droit au prix, des petits contrats. Et il fait baisser la vitre chez Gemignani, qui était avec le directeur de course. Et il dit, ça vous intéresse si je gagne la course? Et il dit, ça serait formidable, oui, mais j'ai le droit au prix, hein, parce que sinon je fais laisser partir Rostelan. Rostelan n'a pas le droit au prix, c'est mon équipier. Hein. On va pas perdre les primes de l'arrivée. Il dit, oui, tu aurais le droit au prix. Il a gagné, hein, ça se fait. Il me dit, je sentais mieux parce que je faisais du vent, j'allais plus vite, quoi. Et ça, c'était une journée où il avait fait une drôle de java, mais ça n'arrivait qu'une fois tous les 10 ans. Hein. Alors, c'est ça qui est formidable dans la légende, parce qu'il suffit que ça arrive une fois de temps en temps, et on dit que ça se passe à chaque fois. Voilà. Et c'est en ça aussi que ça devait écœurer ses adversaires, parce que les adversaires qui ont appris ça, ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il ne fait pas la fête, on est écrasé. Hein, non, mais c'est... Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors Bobé devait très mal prendre la chose, parce que lui, il était extrêmement sérieux. Je sais que jamais il aurait fait une seule java de l'année. Non, non. Alors, il avait peut-être d'autres choses où ça faisait peut-être mal au vélo, hein. Pour le vélo. Hein.
Parce que moi, je me rappelle Coppi, par exemple, lui, il mangeait des gâteaux. Jacques lui disait toujours, Fausto, comment tu peux digérer tous les choux à la crème, les gâteaux à la crème et tout. Jamais Jacques a touché un gâteau. Il dit, mais toi, tu fais ton métier. Jacques lui disait, mais non, Fausto, j'aime pas. J'aime pas, je ne fais pas mon métier. Lui, il aimait mieux un bout de camembert qu'un gâteau au chantilly. Il aimait pas tout ce qui était crème, tout ce qui était... Donc, pour lui, c'était facile, il faisait son métier. Mais il donnait l'impression de ne pas le faire, toujours par... Et Jacques et l'Italie, parce qu'il était quand même très adoré, l'Italie l'adorait aussi. Oui. Ben oui, parce que c'était la suite à Fausto, il aimait bien Fausto, donc il a été pris vraiment par les tifosi. Mais du reste, moi je lui avais dit à Jacques, je lui avais dit, écoute, va en Italie, tu seras mieux, va en Italie. Et puis, courir dans une équipe italienne. Ouais. Et ça l'embêtait parce qu'il voulait quitter sa Normandie et aller prendre un petit appartement ou une petite maison en Italie parce qu'on ne pouvait pas revenir. Et sa Normandie, c'était quelque chose. Alors, mais sinon, il me dit après, qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas t'avoir écouté. Parce que les tifosi, là-bas, il était aimé. Hein. Oui, parce que l'Italie a toujours été le refuge de beaucoup de champions, comme Merckx, Van Looy, etc. Et souvent, ces gens-là disaient que... J'ai vu des arrivées en Italie où Jacques était obligé de prendre son vélo et de le mettre comme ça, pour pouvoir passer, les gens l'embrassaient de partout et tout. À Saint-Daniel di Friuli, je me rappelle, et j'étais derrière, je suivais, parce que moi, j'avais le... Ce que j'avais. Et je suivais Jacques qui avait son vélo comme ça, et d'un coup il y a un bonhomme qui arrive et il l'embrasse sur la bouche. Et j'éclate de rire, il se retourne furieux en me disant ça aurait été une fille, tu n'aurais pas accepté. Mais c'était quelque chose d'affolant, les tifosi. Quand ils aient... Puis alors en plus ils étaient pour la gagne, pour ceux qui gagnaient. Ils aimaient leur leader. Hein. Alors, mais là, ils étaient peut-être moins contents quand Jacques gagnait le Tour d'Italie. Ah, ben ça oui, là, ils mettaient des oranges, là, et puis ils tiraient. Ils ont monté le Gavia, ils mettaient des oranges et ils tiraient. Alors qu'ils poussaient les Italiens, ils mettaient des oranges à la poste de Jacques et ils tiraient. mais en vrai, quand il a gagné son tour, mais quand même, il était aimé en Italie. Et quels étaient les coureurs, enfin, je parle des grands coureurs qui n'étaient pas dans son équipe, avec qui ils s'entendaient le mieux, les grands champions de son époque. Van Looy. Ah oui. Eric Van Looy, Van Steenbergen, oui, ben, c'était plus vieux, Van Steenbergen, mais surtout avec Van Looy. Van Looy, Rudy Altig, évidemment, était dans son équipe. Non, oui. Il y avait Baldini, s'entendait très bien avec Baldini, Gimondi, Adorni, tout ça, ça allait très bien. Mais vous alliez chez ces champions, par exemple, chez Van Looy, chez Motta, chez Van Looy, chez Altig, chez Baldini. Alors, par exemple, si Jacques courait une épreuve en Belgique, on allait chez eux. Vous habitiez ou simplement manger chez eux. On mangeait. Ça dépendait. Par exemple, chez Motta, on est allé manger. Chez Baldini, on a mangé couché. Ça dépendait comment. Chez Van Looy aussi, on a été à son manège. On a mangé plusieurs fois avec lui. Non, on s'entendait très bien. Et j'imagine que quand ils se retrouvaient ensemble, ils ne parlaient plus de vélo à ce moment-là. Ils parlaient de tout, peut-être, de toutes sortes de choses. Oui. Ils parlaient que pas de vélo du tout. Ben, du reste, à la maison, on ne parlait pas de vélo. Hein. Et Jacques me disait toujours, là, je ne comprends pas les gens qui... Mais quand on vieillit, après, on parlait plus de vélo quand il arrêtait de courir. Mais tant qu'il... Du reste, il ne voulait même pas une photo de coureur dans sa maison. Ah ah. Pas de coureur, pas de photo de lui en coureur. Il ne voulait rien, il voulait pas de photo. Mais il n'y avait pas les dessins de Pélos? Ah bah je les ai là, oui, les dessins de Pélos, là, j'en ai quelques-uns là, oui. Ça il les acceptait, hein, parce que ça lui amusait. Mais il ne voulait pas se voir en course, tout ça. Et le jour où il a vraiment raccroché, hein, la dernière épreuve, je sais, c'est en 1969 à Anvers. Anvers, oui, hein, Belgique. Et, quand il a fini la dernière épreuve, oui. Là, donc, il savait qu'il ne courrait plus. Alors comment il s'est senti? C'était la joie, c'était la joie. Mais il avait déjà arrêté un cyclocross en France avant, où il avait laissé il avait mis son vélo dans le garage, tout crotté, et puis il était parti faire sa dernière épreuve. Il est resté 15 jours le vélo avant qu'il le nettoie. Il était saturé de vélo. Vous dites, ça durait depuis 52. Hein. Alors 52 à 69, c'est pour rester quand même au top niveau. C'est trop bien. Du reste, il me disait toujours, on disait que Jacques n'aimait pas le vélo. Il l'a aimé,
il l'a aimé tant qu'il n'était pas professionnel. Il a beaucoup aimé le vélo tant qu'il n'était pas professionnel. Dès qu'il a été professionnel et payé, il a fait ça comme un métier. C'est un peu logique. Et c'est ça aussi que peut-être le public pouvait lui reprocher. Peut-être. Mais il n'aurait pas fait la carrière qu'il a fait s'il avait couru comme en dépit du bon sens, quoi. Il a géré son vélo comme un directeur qui gère son usine, comme un patron. Il arrive à 9h à Saint-Adrien et Jacques me dit champagne. Hein, donc, et champagne. Et Jacques aussi buvait ? Bah oui, bah, pour l'accompagner. Alors il me dit bah, amène le champagne et hop, le petit déjeuner, champagne, un petit peu de petit machin. Et à ce moment-là arrive Robert Chapal qui venait faire un reportage avec la télévision en même temps. Et il y avait René Guénon pour François. Et ils discutent avec René, champagne. Bon, aussitôt les autres arrivent pour faire le... On voudrait faire une photo avec ton bateau. Bon, il met un gros, parce que c'était en plein hiver, en avant. Il met l'anorak, un gros anorak, et il prend son bateau. Et alors les journalistes, il y avait un petit ponton. Alors la télévision demande à Jacques de faire des tours, des retours, des tours. Et à un moment donné, mais mettez-vous un peu plus, il leur crie, mettez-vous sur le bord. Et Jacques se met sur le bord, éjecté du bateau. Heureusement, je ne l'ai pas vu. Éjecté du bateau, et le bateau continue à tourner. Et le ponton, on le voit, il y a une photo où on le voit, il arrive, il ressort de l'eau. Heureusement que l'hélice n'y a pas coupé la tête. Il ressort de l'eau, parce que le bateau après a été échoué, mais il a fait quand même un tour. Et comme il a été éjecté, si l'hélice se passe bien, bon. Et on voit le mec qui fait la photo avant de tendre la main. On le voit arriver au ponton, gros, parce que l'anorak est dégonflé, vous savez. Alors on le voit sortir de l'eau. J'ai vu la photo, j'ai pas vu, parce que moi j'aurais été folle, je sais pas ce que j'aurais fait, moi. Et à ce moment-là, il revient, il a une crise de nerfs, il revient à la maison. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais en train de téléphoner, je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, je suis tombé à l'eau, c'est pas vrai. Je regarde ses chaussures, il avait une marron et une noire. Il était parti tellement vite pour chercher René Dunant avec le champagne dedans, et alors là ça m'a coupé les jambes, et puis alors là, il s'est mis à pleurer, il a eu une belle crise de nerfs parce qu'il a eu très peur. Ouais, bah c'était un reportage télévision. Ah ouais. Alors après on a fêté ça quand même, après on a invité tout le monde à reboire un petit coup. Alors Chapat a eu droit de ah, oui, à son oui, verre, hein. Oui. Chapat, je croyais rester à manger. Enfin. Alors, il repartait pas. Alors, en général, quand c'était des gens qu'on connaissait comme Chani, comme Chapat, comme ah oui. René Dunant, ils invitaient à manger. Pierre Chani venait souvent. Ah oui, Pierre, mais on partait en vacances ensemble. Ah oui. On a été à l'île Maurice ensemble, on est allé à la Martinique ensemble. Et Antoine Blondin, Antoine Blondin venait aussi. Oui, Antoine Blondin, mais il venait à la maison, mais moins souvent quand même, parce que c'était pas du tout. Mais on le voyait à Paris, quoi. Mais Pierre Chani, c'était un très bon ami. C'est une figure qui a disparu. C'est... Oui. On aurait fêté son 50e tour ah de oui, France. C'est ça. Ouais. Puis nous, c'était vraiment... Et puis, c'était un journaliste qui avait une éthique, c'est-à-dire que quand il voulait dire... Enfin, il y a beaucoup de journalistes qui pensent des choses, mais qui n'osent pas l'écrire. Non, non. Lui, s'il pensait une chose, il l'écrivait. Et s'il pensait que tel coureur faisait une erreur en allant signer dans une autre équipe, par exemple, il le disait noir sur blanc. Oui, tout à fait. Alors qu'il y en a tellement aujourd'hui, mais c'est la loi du silence. Il y avait eu deux petits trucs avec Jacques. Il avait eu une histoire avec Jacques, c'est qu'un jour, autour d'Italie, je sais plus, ça a duré 3 mois. 3 mois où ils ne sont pas dit bonjour. Jacques, dis donc, je ne te parle plus. Je ne parle pas à Chani. Je dis, ben, d'habitude, il critique jamais aucun article, tout ça. Je dis, mais qu'est-ce qui t'a fait, Pierre? Non, il a écrit un article où il a menti, j'aime pas les gens qui mentent. Et, bon, je fais pas tellement attention, il voit Pierre, il passe devant, il dit pas bonjour. Pierre me dit, qu'est-ce qu'il attend? Je sais pas. Alors, je n'ai pas fait attention, que j'ai posé la question. Quand j'ai revu une deuxième fois Jacques, il passait à côté une semaine après, il passait toujours sans dire bonjour à Pierre. Pierre me dit, bah dis donc, faudrait bien quand même savoir qu'est-ce qu'il a ton... Je dis, alors, je lui ai posé la question. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as contre Pierre? Je lui dis, mais tu dis toujours... La prof qu'il avait fait une réflexion à sa mère un jour, qui lui avait un article de Chani qui lui avait pas plu, et mamie, elle dit à Jacques, mais tu reçois un mec comme ça chez toi, il a dit du mal de toi. Maman, c'est un critique. Tu te mêles pas de ça, c'est un critique, il a le droit d'écrire ce qu'il veut. Du moment que c'est ce qu'il pense, il a le droit d'écrire ce qu'il pense. Pierre rentre, puis il mange à table, il mangeait à table avec nous. Et là, il disait plus bonjour. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Mais il me dit, il écrit des choses qui ne m'intéressent pas. Il a menti. Je lui dis, mais quoi? Il a dit que je mangeais des moules à la crème alors que c'était des moules marinières.
Parce que Pierre avait vu le soigneur de Jacques, parce que Rivière battait les records, et nous, on était partis à la mer avec la famille, lui mangeait des boules, et tout ça. Et alors, comme le soigneur disait, mais Jacques est un petit peu déboussolé en ce moment, et il a l'air de plus vouloir, il fait pas mal son métier, mais lui, un petit article, alors il avait mis, pendant que Rivière bat des records, Jacques Antille mange des moules à la crème. Et c'était des moules marinières. Voilà. Ça. C'était Jacques. Ah, c'est... Et il y a une autre, alors Pierre m'avait dit, ton mari, il a le don de te foutre dans la merde et te dire, il faut que tu lui dises merci pour t'en sortir, si tu ne l'en sors. Il te dit merci, attends. Il m'a dit, il avait tourné ce truc, il a le don de te foutre dans la merde, il faut que tu lui dises merci. Ça c'était Pierre, j'avais trouvé ça beau, parce que c'était vraiment Jacques. Alors, il y a une chose que je voulais savoir, parce qu'on sait que Coppi, sans arrêt, repoussait sa retraite, à chaque fois il rempilait, et l'année de sa mort, il devait encore courir, même officiellement sa dernière saison. Merckx, quand il a arrêté, il a failli reprendre l'entraînement quelques mois après. Alors, est-ce que Jacques, le jour où il a arrêté... Plus jamais fait le vélo. Il n'en a jamais été question, on ne lui a pas refait une proposition qui pouvait être très intéressante. Si, mais non, rien. Il avait décidé de terminer en 69, c'était fini. Donc un peu comme Bernard Hinault qui avait décidé à l'avance, plusieurs années à l'avance, j'arrête à tel moment. Et il a même plus fait de vélo du tout. Hein. Mais Jacques, en définitive, il a roulé plus longtemps qu'il ne le pensait. Il avait dit qu'il s'arrêterait un peu plus tôt quand même. Je me souviens, au début des années 60, il avait dit... Il avait dit qu'il arrêterait, il ferait encore 2 ou 3 années et qu'il arrêterait, oui. Oui, c'est vrai. Et en définitive, il en a fait plus. Après, il a dit, non, ça sera... Et pourquoi? Parce que il se prenait au jeu du vélo. Enfin, il aimait quand même le vélo, parce que quand on dit qu'il n'aimait pas le vélo... Bon, c'est-à-dire que pour le faire comme il faisait, il faut l'aimer quand même un peu, le vélo. Mais je veux dire que c'est pas qu'il aimait pas le vélo, mais il le faisait son vélo comme un professionnel, quoi, comme un métier. Et alors dès l'instant que vous faites ça comme un métier, vous aimez votre métier, mais des fois vous êtes lassé, quoi. Et lui, il était lassé, il était au bout du rouleau pour il en avait assez de faire du vélo. Et puis en plus il était pris par sa ferme parce que c'est un terrien. Et Fernand Choisel, quand il roulait avec lui il lui disait toujours, mais regarde, il regardait en vélo, il me dit, il est tout le temps en train de regarder les terres, le blé, l'avoine qui pousse. Il me dit, quand il roule, il est tout le temps il en avait marre, il voulait être rester dans ses terres. Il y a une chose qui a surpris aussi les gens, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que du jour où il arrêterait la compétition, on ne le verrait plus dans le milieu cycliste. Alors qu'après, il a travaillé pour Europe 1, pour l'équipe, et puis après pour la télévision. Et puis il a été directeur de course, directeur de l'équipe de France au championnat du monde. En fait, il était très présent dans les années qui ont suivi. Parce que je veux vous dire franchement, c'est que la ferme, c'était pas un truc apportable. Ça n'apportait rien. Et puis il bouffait de l'argent tous les jours, tous les ans. Parce que fermier, c'est bien gentil, parce que lui, il faisait vraiment, c'était pas le gentleman farmer. Hein, il avait 2 ouvriers, mais il était au boulot. Et il fallait vivre comme il fallait pas continuer à le train de vie, c'est-à-dire inviter le monde, des amis et tout ça. Il voulait vivre encore comme et la ferme, ça coûtait cher, quoi. Alors au début, on lui a proposé de refaire le tour comme ça, donc il est reparti comme ça. Uniquement, et puis il s'est pris au jeu. Après, il aimait beaucoup. Après, si on lui avait dit tu fais pas le tour, alors là, La preuve, c'est qu'il a fait un tour de trop. Oui, parce que moi j'ai appris sa maladie, j'étais juste avant le Tour de France, j'étais en Italie et ça a été annoncé publiquement la première fois dans la presse italienne, avant que ça soit annoncé dans la presse française, son cancer. Oui. Et donc il l'a annoncé peut-être une semaine ou 10 jours après en France. Donc ça a d'abord été annoncé en Italie. Et lui il avait l'air, je me souviens très bien de ce qu'il avait dit dans la presse italienne, qu'il était complètement optimiste, qu'il s'était toujours battu dans sa vie, qu'il s'était battu contre les plus grands coureurs, qu'il se battrait contre le cancer, ça change. Pour lui, rien n'était changé, qu'il allait suivre le Tour de France et qu'il serait opéré après, enfin, et tout. Moi, mon idée, c'était qu'il bluffait encore. Comme il a bluffé Poulidor pendant 10 ans. Il bluffait, là. Il savait qu'il était difficile, qu'il était perdu. Avant le Tour 87. Je pense. Il avait très peur de la mort quand on était
Il avait très peur de la mort. Il a dit ça pour se bluffer lui-même, si vous voulez. Mais dans son fond intérieur, je pense qu'il savait que c'était pas fini. Et il savait qu'il était malade depuis longtemps à ce moment-là, parce que. Bah, c'est-à-dire qu'il avait. Oui, il me disait qu'il avait. Il se plaignait alors que c'était pas son genre de se plaigner. Puis il avait grossi. Je sais pas. Il était pas dans son. Et il se plaignait. D'habitude, c'était marche ou crève, la vie d'Antil, même avec moi. Hein, c'était marche ou crève, tu conduis. Même, j'ai vu être malade au volant, mais ça fait rien, je conduisais, il fallait continuer. Hein. Et c'était toujours sa devise. Et là, le fait de se plaindre comme ça, on aurait peut-être dû. Puis alors, il était terrible, parce qu'il voulait. Autant qu'il a eu son cœur malade, il a eu un édème du poumon il y a 5-6 ans avant. Il a eu deux édèmes du poumon. Là, il a eu très peur. Et on pensait toujours qu'il aurait une crise cardiaque. C'était son le cœur. Et là, toujours, il avait les bouquins de médecine. Il lisait les bouquins de médecine. Mais il était au courant. Du reste, quand le docteur venait, c'est lui qui lui disait ce qu'il avait. Hein. Alors donc, le cancer, il l'a vu bien avant qu'il nous l'avoue. Hein. Il disait ça. Il m'avait dit qu'il avait le cancer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pensais que c'était le cœur. Hein, si tu parles... Eh oui. Non mais là, est-ce qu'il avait peur de... Là vous dites qu'il avait peur de la mort, oui. Mais tout, enfin, même à l'époque où il était coureur... Il était coureur, j'ai vu la nuit se réveiller, m'attraper en me disant, me dire que dans 10 ans ou dans 20, on ne sera plus là. Et alors, on était en Nouvelle-Calédonie, quand c'est l'année de Kennedy, c'est l'année de la mort de Kennedy, mon beau-père a été écrasé par une voiture. Et nous sommes revenus de Nouméa en catastrophe. Et dans l'avion, il m'a dit, tu vois, mon père, il est mort le jour de son anniversaire, 56 ans. Et il m'a dit, tu vois, j'irai pas jusque-là. Et ça m'avait toujours frappé. Je lui ai dit, arrête, c'est bon. Non, ça ne va pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Et à chaque fois, combien de fois, la nuit, il se rattrapait en me disant, mais on n'en a plus pour longtemps. Mais là, il avait peur de la mort, par exemple, dans la montagne. Est-ce qu'il avait peur dans les descentes? Parce que là, il savait... C'était son mécanicien qui me disait, moi je suis tranquille avec Jacques, parce que le vélo, le braquet, tu fais comme pour toi. Il ne s'occupait pas de se braquer, il prenait le vélo, il avait même pourvu, comme Narigat qui était méticuleux avec son vélo, lui il prenait le vélo qu'on lui donnait. Hein. Bon. Mais en descente, c'était toujours ses roues, ses jambes striées, ses roues, je sais pas, enfin ses boyaux d'une certaine façon. Et il m'a dit que c'est la seule fois qu'il était exigeant. Il avait, dans les descentes, il voulait la sécurité. Quoi. Parce qu'il était quand même plus méticuleux qu'on le dit, parce que par exemple, j'avais lu à l'époque qu'on disait toujours « Poulidor crève tout le temps hein, ». On disait « il a de la malchance ». Alors que Jacques, lui, il crevait pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il faisait confiance à son mécano qu'il connaissait bien. Mais je veux dire, par exemple, dans les courses contre la montre, vous voyez toujours passer les mains sur les roues, tout ça. Mais il faisait attention, il était très méticuleux. Oui, et même, alors là, vous devez le savoir, il disait qu'il achetait les boyaux plusieurs années avant, à l'avance qu'il faisait sécher. Oui, ça. Et donc, il utilisait des boyaux beaucoup plus solides que, par exemple, Poulidor, c'est pour ça qu'il crevait moins. C'est ça. Pour ça, il faisait très attention à son matériel qu'il achetait. Les boyaux, les trucs comme ça. Mais je veux dire, une fois qu'il avait donné ça aux mécaniciens, bon, il disait quel braquet il faut mettre aujourd'hui, demander à Darriga, il partait comme ça. Hein. Sauf dans les courses contre la montre, il faisait quand même attention à son vélo. Enfin, j'ai vu un jour arriver à Forlì en catastrophe, pour le Grand Prix de Forlì. Il a dit à son masseur, tu montes me masser, toi tu t'occupes du vélo, t'as qu'à donner quelques lires au petit gamin là qui est là, il va me monter mon vélo. Mais pourquoi dans le Grand Prix de Forlì, il était souvent battu, alors que dans les autres grands contre-la-montre, il était toujours vainqueur? Parce que je vais vous raconter, j'étais chez Baldini, après la mort de Jacques, j'étais passé 2-3 jours chez eux, et j'ai vu l'organisateur du Grand Prix de Forlì. Et Ercole, en parlant, il dit, bah maintenant, dis à Jeannine comment tu as organisé ton Grand Prix de Forlì. Alors, il a organisé, cet organisateur, organisé le Grand Prix de Forlì parce qu'il voyait, il allait à Genève, où il était tout le temps battu, aux Nations, il était battu par Jacques. Il dit, mais comment, quand, parce qu'il était très tifosi de Baldini, il dit, quand tu pourrais gagner une fois contre la montre contre Jacques? Ben, il dit, quand j'aurai un parcours plat, tournant et plat, tout plat, et un grand virage, et tout plat. Là, je pourrais peut-être battre Jacques. Et ils ont organisé Forlì comme ça. C'est comme ça que Baldini a battu à plusieurs reprises, oui, Jacques. Oui,
Parce que Jacques, il aimait pouvoir se reprendre, vous savez. Les relances, par exemple, la vallée de Chevreuse. Voilà. Et un parcours tout plat, comme ça, c'est un effort tout le temps, la même allure, ça ne va pas. Donc, voilà. C'était. Ouais. Et on a organisé le Grand Prix de Forlì comme ça pour que Baldini batte Jacques. Ouais. Non, mais là, cette idée de peur de la mort, c'est quand même assez fascinant parce que pendant toute la période où les champions, oui. Il doit se concentrer sur ses objectifs, sur ses courses. Et en même temps, il avait cette angoisse. C'est pour ça que le match lui a fait énormément de mal, parce que comme il avait peur, comme il disait, mais merde, pourquoi on m'a prédit que j'allais avoir cette défaillance ou que j'allais chuter ce jour-là. Et comme il avait peur, il a eu très peur. Puis après, dans la descente, il s'en est fichu. Mais est-ce qu'il avait peur, par exemple, de prendre l'avion, comme certains? Non. C'est plutôt moi qui arrivais lui à le paniquer un peu. Comme là, je vais repartir au Mexique avec ma Sophie, Sophie Antil, là, qui devait être là tout à l'heure. Et j'ai très peur. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde, j'ai très peur en avion, je fous la panique. Alors, lui, un petit peu, à la fin, il avait un petit peu peur en avion. Et vous, alors, quand il a arrêté complètement sa carrière, comment vous avez réagi, comment vous êtes senti? Parce que d'un seul coup, votre vie changeait aussi. Oui. Enfin, moi, ça nous faisait du bien de rester un peu à la maison. Parce que, bon, c'est une grande famille, mais alors on avait. C'est-à-dire que quand on s'est organisé, que les week-ends, j'avais Jourdain avec sa femme, j'avais Mouchereau avec sa femme, j'avais des amis. Christian Biville avec sa femme, et tout le monde, tous les vendredis, ses petits amis Maurice Dieulois et ses amis d'enfants, on était 13, 14, 15 à la maison tous les week-ends, du vendredi au lundi. Et qu'est-ce qu'il pensait de Jean Jourdain comme coureur? Bah, parce qu'il a été bon, très bon, comme amateur, puis après, il a eu des problèmes. Savez, Jacques, il l'estimait beaucoup. Oui, il l'aimait bien, oui. Oui. Donc il est passé un peu à côté d'une grande carrière, bah, oui, c'est parce sûr. Qu'on avait dit c'est le successeur de Jacques. Oui. Mais Jean, il a été un petit peu. Bah, c'est-à-dire que avec Jacques, il aimait bien, mais enfin je veux dire que c'est pas. Mais il venait toujours à la maison après que c'était. Mais je veux dire qu'il a pas tellement, il m'a pas tellement parlé de Jourdain. Et Jacques, il avait aussi sa ferreur, il avait un neveu qui s'appelait Marcel Bidot, qui était champion du monde du contre-la-montre par équipe. Voilà. Et on dit à chaque fois, il disait que si on cherche un champion du monde à la maison, c'est mon cousin. C'était le cousin. C'était cousin Germain. Et lui, il a arrêté assez rapidement sa carrière. Ah oui. Oui, il a arrêté. Il n'était pas. Oui, il n'était pas. Il ne voulait pas passer professionnel? Non, il n'avait pas la santé, je pense. Il n'avait pas la santé, je pense, pour faire une carrière. Mais il roulait bien quand même. Il y a son frère aussi qui a fait du vélo, mais c'était pareil, ça s'est arrêté assez rapidement. Puis vous savez, quand on a un élément dans une famille, c'est pas évident que le fils ou le frère peut faire exactement pareil. Alors je pense qu'ils ont fait du vélo parce qu'ils ont vu Jacques comme ça, puis ils ont arrêté. Quoi. Et il y en avait après le 15 août, ça remettait ça jusqu'au 30 septembre. Non, parce que là, ça devait être extrêmement fatigant. Parce on arrêtait juste pour les championnats du monde et on repartait le lendemain. Hein. Le lendemain, il y avait Châteaulin. Comme critérium. Comme maintenant. Le lendemain, alors si le championnat du monde était loin, il fallait être le matin à Châteaulin, l'après-midi, hein, au début de l'après-midi. Parce que là, c'était extrêmement fatigant, parce que souvent, il y avait des centaines de kilomètres entre deux critériums. Oui. Mais il y avait plus que ça, parce que un jour, il courait en Belgique avec Vassenbergen, et le lendemain, il courait à côté de Vichy. Et le critérium se terminait à 9h du soir, sur les pavés, là. C'était l'arrière-dernier. Et on passait à Valenciennes chez ces gens. Là, on prenait les valises. Elle était dans le hall du château. Là. Ah ouais. Alors ce qui est rigolo, c'est une photo, hein. c'est pas une peinture. C'est fait sur une photo. Ah. C'est pas sur photo.
Et on a l'impression qu'il regarde sans arrêt. N'importe quel endroit où on se met, il nous fixe. Alors je lui parle de temps en temps. Voilà. Le tableau est peut-être un peu grand pour l'appartement, mais enfin. Je trouve qu'il est bien placé là. Faire un petit tour. Ah ben, il y a le soleil. Le temps se remet, je pense. C'était inespéré parce que. Eh oui. Non, mais je suis bien tranquille. C'est un temps pour Jacques, parce que je sais qu'il aime la chaleur. Ah oui, il aime la chaleur. La pluie, pas du tout. Hein. Comme une Durène aujourd'hui. Pas du tout. C'est. Oui, oui, il détestait la pluie. Oui. Parce que De Gaulle lui avait dit, là, quand il a vu la Légion d'honneur, il avait oublié de lui signaler, il lui dit, vous avez gagné telle chose, Tour de France, les nations, tout ça. Et Jacques lui a dit, et puis il dit, bah, vous oubliez le Tour d'Espagne, et vous avez abandonné, parce qu'il y a eu la pluie aussi, à telle étape dans le Tour, vous avez abandonné. Il était très au courant de la situation. De Gaulle était un personnage absolument étonnant. Et en plus, il était un petit liste. Et je sais que quand le ministre des Sports avait proposé la liste des... Du mérite national, simplement, et il n'y avait pas mis Anquetil. Voilà. Et là, il a dit, mais comment Anquetil, il n'est pas sur la liste. Alors, il a dit, ministre, mais vous ne pensez pas, il y a doping, le doping ne connaît pas. Et il dit, mais vous savez, il fait chanter la Marseillaise à l'étranger, c'est un professionnel. Mais là, je vous parlais des amateurs, mais ça ne fait rien, c'est un professionnel, il fait la Marseillaise chante aussi. Et vous me mettez Anquetil, et puis vous revenez, vous mettez en tête, Anquetil. Puis quand il est revenu, il a dit, bon, ben, c'est pas le mérite, c'est l'année, je viens. Et j'ai su ça par un ami qui connaissait le Pabre, qui faisait un peu qui était en Espagne, qui était un ami intime de Gaulle, et puis le président du Canada aussi, Johnson, qui était mort tellement après. Et c'est eux qui m'avaient dit, il était utiliste. Voilà. Je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en utiliste.